Aujourd'hui, nous allons refaire une tendance qui fait fureur sur les réseaux sociaux en ce moment grâce à Hailey Bieber. Et oui, c'est obligé que vous avez vu la tendance passer sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Voici le avant, vous pouvez voir que ma modèle avait des ongles naturels de dingue, j'ai jamais vu ça de ma vie genre. Et ça tombe bien, on est dans le thème parce que j'ai remarqué que Hailey Bieber faisait souvent du gainage sur ses ongles naturels. Donc ce modèle était parfait. Hailey est toujours dans le nude, dans le très simple, donc ça tombe bien. Alors je commence par repousser les cuticules. Donc je vais d'abord m'occuper bien sûr des cuticules. Je prends mon embout flamme à grains jaunes et je vais venir décoller tout ce qui pourrait rester et les petites peaux qui sont collées. Ici vous allez voir, je vais rester dans le grain qui est très doux. Donc par exemple ici mon embout flamme c'est un grain jaune qui est le grain le plus doux. Et vous voyez, elle n'a pas beaucoup de cuticules. Donc c'est pour ça que je respecte sa plaque d'ongles et sa peau grâce à l'embout jaune. Une fois que j'ai tout décollé, que j'ai voilà, j'ai fait le plus gros du nettoyage, je vais venir peaufiner avec mon embout tulipe. Donc je passe mon embout dans les deux sens et ça me permet aussi de dégager, vous savez, les bourrelets de peau qu'il y a sur le côté. Une fois que ça c'est terminé, je viens délicatement couper les cuticules. Alors vous voyez, je coupe quasiment rien. Franchement, il n'y avait pas grand chose à couper. Je fais très attention. Et avant de couper, je repousse toujours pour vraiment pouvoir passer la lame de mon ciseau en dessous de la cutie. Et ensuite, je termine avec mon embout boule à grains jaunes. Ça va me permettre d'enlever les petites peaux mortes. Et en même temps, je passe sur la cutie pour vraiment bien arrondir la cuticule pour pouvoir avoir une belle cuticule. Après avoir dit 30 000 fois le mot cuticule, je vais passer à la forme de l'ongle. Donc je viens prendre ma lime fine et je commence à tailler les ongles de la même taille. Je refais la forme, je raccourcis parce qu'ils étaient un petit peu trop longs. Je fais la forme amande parce que bien sûr Hailey Bieber fait que la forme amande. Je ne l'ai jamais vue avec du carré en tout cas. Je retourne ma main pour voir si la forme est pareille partout et surtout si les ongles sont bien droits. Je viens matifier la plaque de mon ongle avec mon embout émeri à grains verts. Une fois que l'étape est terminée, je viens bien dépoussiérer et j'applique mon déshydratant avec mon petit pinceau aquarelle, ce qui va me permettre d'enlever tous les résidus de poussière qui pourraient rester coincés dans la cuticule. Et une fois que tout est sec, je viens appliquer mon primer acide sur tout mon ongle. Par-dessus, je vais venir appliquer la Elastic Base Milky Rose de chez Purple. Donc, je vais venir l'appliquer d'abord en fine couche partout et ensuite je viens bien l'appliquer proche des cuticules et sur les côtés avec mon petit pinceau liner. Alors au début, j'avais pour objectif, on va dire, de faire une technique sans l'image sur ces ongles naturels, mais en fait je me suis rendu compte que j'allais pas y arriver, donc du coup j'ai pris le Sweet Fiber Baby Pink de chez Naïs Ferrès parce que c'est un gel qui est quand même assez solide. J'avais peur que la Elastic Base soit trop souple pour ses ongles, surtout qu'elle a quand même une bonne longueur naturelle. En même temps, j'en ai profité avec le gel d'essayer de redresser un petit peu certains ongles qui commençaient à pencher vers le bas. Donc ça ne change pas. J'applique une fine couche de lissage et ensuite je viens appliquer une boule sur mon ongle et je viens l'étirer délicatement avec mon pinceau liner, ce qui va me permettre de gagner du temps au limage parce que j'évite les creux et les bosses. Et c'est surtout beaucoup plus agréable aussi quand on lime de pas devoir faire du gros limage. Donc vous voyez ici, je tourne quand même l'ongle pour pouvoir faire marcher la gravité. Je rectifie s'il le faut et ensuite je catalyse. Alors parfois on pense que faire sur des ongles naturels va nous permettre de gagner du temps. Alors oui et non, ça dépend. Parfois si les ongles sont beaucoup trop longs et crochus, comme je vous disais, il faut tout redresser. Et c'est un peu compliqué. Ici j'avais de la chance, elle avait quand même une bonne base. Elle prenait bien soin de ses ongles. Elle limait pas n'importe comment, donc ça va. Mais parfois, je vous conseille que si vous galérez trop, faites tout chablon. Vous raccourcissez l'ongle naturel et puis voilà, comme ça, vous allez partir sur de bonnes bases. Donc une fois bien catalysé, je vais passer au limage. Donc là, je vous ai pas montré, j'avais oublié d'allumer ma caméra. Mais j'ai passé d'abord un embout émeri pour dégrossir le plus gros. En fait, tout ce que je voulais pas faire à la lime.
Et ensuite, je peaufine avec ma lime ovale. Donc, je lime le dessus, je refais la forme. Et là, je vais passer un petit coup de désinfectant avec mon pinceau aquarelle pour enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester bloquées dans la cutie. Et vu que ici on va faire un effet chrome, je vais venir appliquer une finition brillante. Et ici, c'est le Glossy Touch de chez Nice FRS. Donc, ne vous inquiétez pas, il arrive très prochainement. Et ça tombe bien parce que le Glossy Touch adhère très très bien au pigment et au chrome. Donc, c'est pour ça que vous devez l'appliquer parfaitement, parce que le moindre défaut, ça va se voir. Et ensuite, chose très importante, une fois que vous avez appliqué votre top coat, vous allez le catalyser seulement, et je dis bien seulement 30 secondes. Comme ça, le pigment va bien adhérer sur la finition qui est entre mi-sec et mi-cuit. Et voici la fameuse poudre magique qui fait fureur en ce moment. En fait, c'est une poudre qui est silver. Donc ici, c'est une poudre que j'ai eue de chez Sovianca. Je viens tremper mon doigt sur le chrome et je viens le frotter délicatement sur la finition que j'ai catalysée seulement 30 secondes. Et vous pouvez voir qu'elle adhère parfaitement et que sur un nude, un baby pink comme le Sweet Fiber, en fait, les reflets ressortent très bien et ça fait un effet de dingue, j'adore. Petite astuce, si vous voulez vraiment éviter les poussières, moi parfois quand j'ai un petit doute, je repasse un petit coup de désinfectant sur mon ongle et la cutie, j'attends que ça sèche et j'applique mon top coat. Donc comme vous pouvez voir ici, je l'applique, je le catalyse seulement 30 secondes et je frotte bien partout. Vous pouvez même vous aider d'un petit ustensile en silicone comme ça pour bien aller dans les petits coins. Et avant de remettre mon top coat, bien sûr, pour protéger mon chrome, je viens passer un petit coup de buffer sur la tranche de l'ongle pour éviter, vous savez, d'avoir un effet chrome qui s'écaille. Voilà. Donc, je passe un petit coup de buffer, je redépoussière, bien sûr, et je repasse mon top coat par-dessus parce que si vous ne mettez pas de top coat, ben, le chrome va s'en aller. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des emojis blancs si vous aimez la pause et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, salut !